Bonjour tout le monde, c'est Malvo pour l'épisode 5 de Ratchet & Clank qui est la dernière fois on s'est tout simplement laissé sur la planète de Metropolis ou Kerwan tout simplement avec tellement de clins d'œil et j'ai pas eu le temps. Si vous avez vu dans la dernière vidéo, vous l'avez sûrement commenté de toute façon, j'ai pas eu le temps d'en parler. Dans la dernière cinématique qu'on a vu, si vous avez remarqué, il y avait Ratchet 3 qu'elle jouait tout simplement. Elle jouait en online, c'était pas vraiment le online, c'est un peu modifié. Mais ça restait quand même dans l'esprit de Ratchet & Clank 3, donc... Vraiment, il y a tellement de easter eggs ou juste de clins d'œil de d'autres jeux de Ratchet et c'est un truc de fou, sérieusement, c'est vraiment hallucinant. Comment ils se sont amusés? Bref, peu importe, en parlant tout simplement de Ratchet & Clank 3, la question du jour sera la suivante, ça sera vraiment très très simple, c'est... Pour ceux, vu qu'il y a quand même beaucoup de fans de Ratchet sur ma chaîne, de ce que j'ai compris, quel est votre premier Ratchet que vous avez connu pour connaître la série? Voilà, c'est un peu bizarre comment je l'ai dit, mais... Tout simplement, quel est le premier Ratchet qui vous a fait connaître la série? Ça peut être tant un jeu Ratchet que vous avez joué, ça peut être le film, ça peut être vous avez vu un let's play de quelqu'un, ça peut être n'importe quoi, vous avez juste à me le dire tout simplement, ça me fait extrêmement plaisir. D'y lire, voilà, ça... je sais pas pourquoi j'ai dit que ça me fait extrêmement plaisir, mais bon. Donc, c'est le test de fitness de Captain Quark, et je pense qu'on peut le briser comme à l'habitude. Il me semble qu'on peut le faire exploser, attendez. Faut que ça soit gardé, s'il vous plaît. Finalement, je pense qu'on peut pas le faire exploser. Je suis un peu triste. Mais bon, on va faire son truc de fitness juste pour lui montrer qu'on est quand même des mecs badass et qu'on est cool. En plus, il y a un chrono quoi qui a sonné. Faut qu'on se dépêche, c'est ça, non? Hop, 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 hop. Ah ouais, j'ai atteint le sommet de la justice. Trop bien. Donc là, il faut que je me rende jusqu'à là-bas, c'est ça? Et hop, swinger. Juste attends, juste attends. Ok, on va continuer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc ça va être la partie, la tour du pouvoir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre caché peut-être derrière? Je sais que des fois il y a toujours des trucs un peu cachés, un peu n'importe où. Et là, hop, le petit cheat, on a passé au travers, c'est trop bien. Et là, vite, 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 parfait. Je n'ai pas perdu de qu'est-ce qui se passe en termes de plateforme, hein. Ça c'est sûr. Et certains, et dès que je dis ça, faut quasiment que je me manque. Ok, là je pouvais pas y aller. Hop, hop, hop. Parfait. Parce que je sais même pas en même temps s'il y a peut-être un temps limite. Je sais que des fois dans certains jeux, pas un temps limite, mais des points de compétence. Mais là il n'y a pas de points de compétence. Je suis trop habitué qu'il y ait des points de compétence, mais il n'y en a pas. C'est quand même triste parce que j'aime bien les points de compétence. Ok, faut que j'aille à la plateforme principale pour récupérer mon prix de Ranger. Ah ok, c'est juste un boulon en or. Bon, faut juste un boulon en or, hein. C'est vraiment rien. C'est vraiment de la merde. Moi je m'attendais à quelque chose de mieux, hein. Je m'attendais à genre des femmes, l'argent et tout ça, hein. Mais non, juste un boulon en or. Ok, je déconne un peu, c'est quand même bien un boulon en or, hein. Vous rendez compte qu'un boulon en or, de nos jours, ça vaudrait je sais pas combien, hein. Je sais pas extrêmement combien que ça vaudrait, mais... Et j'ai remarqué un truc, je profite pas à 110% des dialogues qui se disent pendant que je suis en train de rien faire. Comme exactement maintenant. Je pourrais profiter de qu'est-ce que Quark est en train de dire, mais je m'en fous un peu. Et là on va avoir un nouveau vaisseau, hein, parce que normalement l'autre a explosé. Voilà, merci Quark. Tu vas me donner directement un vaisseau. Un super vaisseau, en plus il y a mon petit logo dessus. Il y a mon petit logo dessus. Vous allez voir, c'est le meilleur vaisseau de tous les temps. Et ça c'est quoi que ça fait? Pas une plateforme ici. Non, 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 non. Hey, hey, wow. Calmez, j'ai pas envie d'aller te voir. J'ai envie de faire ce que je veux. Je vais être à l'académie des meilleurs. Je fais ce que je veux. L'un des nôtres maintenant, je me suis dit qu'il était temps que tu aies ton véhicule. Quoi? Une corvette stellaire de classe G? C'est pour moi? Techniquement, elle appartient aux Rangers Galactiques. Mais si tu survis, si tu termines cette mission top secrète, mais néanmoins tout à fait faisable, elle sera entièrement à toi. C'est quoi cette mission secrète? Elle s'appelle Opération Étoile Filante. Félicitations, petit. Tu as été sélectionné pour l'opération Étoile Filante. D'après nos services de renseignement, le président Drake a un laboratoire d'armement de pointe dans la nébuleuse G-34. Ta mission est d'anéantir son projet top secret sans, et j'insiste sur ce point, sans le dire à personne. Jamais. Je suis sérieux, ce sera notre petit secret. D'accord, mais je ne vois pas pourquoi...
Merci d'attendre la fin de la présentation pour poser tes questions. Pour pénétrer dans le labo de Drake, tu auras besoin d'un crosseur, de ruse et du courage qu'on trouve généralement chez les rangers plus expérimentés. Tu rentres, tu détruis le projet sur lequel ils travaillent et tu ressors. Je suivrai ta progression d'ici. Bonne chance. J'aimerais rester pour ton départ, mais j'ai un rendez-vous urgent chez l'acupuncteur. Appelle-moi quand tu seras dans la nébuleuse G34. Je compte sur toi, Ratchet. Ça marche, capitaine. Parfait, mais je vais pas y aller tout de suite. Je vais pas aller sur la nébuleuse G34 parce que j'ai d'autres choses à faire. C'est quand même bien qu'on puisse voir les boulons en or. Quand on n'a pas eu, on peut pas savoir il y en a combien, mais quand on a eu, bon, on sait il y en a combien. Donc là, il m'en manque un. J'ai exactement où parce que j'avais besoin du truc pour faire le super long saut. Mais on va aller sur Ilgar, qui est Blackwater City. Tout simplement puisque c'est la planète qu'on a eu avant, j'ai pas envie d'aller faire la nébuleuse tout de suite. Parce que j'ai décidé ainsi. Je suis quand même quelqu'un qui décide des choses dans la vie. Mais c'est quand même triste que les chargements ne sont pas faits avec les vaisseaux qui se promènent. J'aimais bien ce chargement, ça faisait passer le temps. Même si les chargements ne sont pas hyper longs, vous voyez que ça va prendre environ genre 5 secondes. C'est pas des chargements à la Sonic 2006. Donc il fallait que je fasse cette blague une fois dans ce let's play. Hein. Bon, on a le temps de le faire. Et rentrer de beau gosse, oui. Bon, ok, j'adore faire ça comme ça. À tous les habitants de Blackwater City, comme vous l'avez remarqué, nous sommes victimes d'une légère invasion. Ah ouais, il y a une légère invasion d'abîmes. Parfait, oh, gros vitron et pixel. 15 000 ? Ah oui. Donc, gros vitron, j'ai dit discothèque. Gros vitron, tout simplement, cette arme provoque une chorégraphie instantanée qui expose les ennemis aux attaques. Et ça, vraiment, c'est trop bien, puisque c'est une arme défensive, si on veut, d'une certaine façon. Et Pixelizer, c'est une nouvelle arme qu'il n'avait pas, mais j'ai vu assez couramment, et je pense que je vais essayer de me le procurer le plus rapidement. C'est ce canon de courte portée émet un rayon d'énergie qui projette les ennemis dans le passé, à une époque où la résolution était beaucoup plus basse. Ça décrit tout. Je pense que ça décrit très bien l'objet. Monsieur Zurkon, c'est quoi? Donc, nombre de coups, boulon bonus et cadence de tir. Tandis que ça, c'est boulon bonus. Je pense que je vais y aller avec du boulon bonus. Je vais juste prendre cette amélioration. Plasma Bogo, la capacité de munitions pour combustor contenu dans les caisses est doublée. Ah, ça, c'est nice. Il n'y a pas d'autres boulons. Ok, les boulons, je l'ai quand même assez haut. On va peut-être... Monsieur Zurkon, je vais le booster un petit peu. On va y aller avec lui. Donc le nombre de coups et le nombre de boulons. On va toujours y aller, nombre de boulons. On va se focaliser nombre de boulons parce que le reste je m'en fous un petit peu. Et là la première chose que je vais dire, je vais faire ouais mais je vais pas faire de dégâts, c'est un petit peu de la merde. Et là je vais pleurer. Et là c'est là que j'étais vraiment triste. On a deux endroits où aller, à droite ou à gauche en premier. Je vais aller à gauche en premier. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai comme la grande impression qu'aller à gauche c'est un petit peu plus cool. Un petit peu plus classe, un petit peu plus odeur d'égout, odeur de merde, odeur de... Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment des endroits que j'aime aller, mais Ratchet semble assez heureux. Ratchet semble heureux. Donc en gros, il faut connecter l'hydrocracheur, pas l'hydrocracheur, qu'est-ce que je raconte. Ah, et ça c'est rigolo que les petits poissons, ils sont morts comme ça. Oui. Ah ouais, Monsieur Zurkon n'a pas besoin de boulons, sa monnaie c'est la douleur. C'est quand même bien, Monsieur Zurkon t'es trop gentil. Et là je vais juste regarder un truc que j'ai pas regardé. Si je m'en vais dans les options, je m'en vais dans armes, est-ce que ça monte... Ah oui, ça fait juste changer l'emplacement, c'est tout. Ah ouais, je peux changer l'emplacement ici, ouais. C'est-à-dire qu'il y a juste 8 armes, il n'y en a pas d'autres. Ce serait quand même triste, non? Peut-être que c'est pas le cas, mais je pensais qu'il aurait pu me rentrer tout simplement la force des armes, mais c'est pas le cas. Donc, Darla Gratch, c'est pas une commentatrice aussi. Le nombre de boulons que tu gagnes a augmenté de 5%, mais ça c'est parfait. Hein. Juste regarder des vite fait Darla Gratch. Non, non, je sais c'est qui. C'est suffisamment de cartes en double pour les échanger contre une nouvelle. Appuie sur... Wow. Pour échanger une carte, sélectionne ta carte et appuie sur X. Bonne chance pour tes collections. Ok, je peux utiliser des cartes que j'ai en double. Et comment je sais qu'ils sont en double? J'ai même pas assez. Échanger des doublons. Échanger les cartes doublons. 5.
Qu'est-ce ici, j'en ai en double. Mais je n'ai pas en double. Alors pourquoi vous me dites que j'en ai assez? T'as réussi à compléter une série. Impressionnant. J'ai pas trop compris ce que j'ai fait. Sérieusement, j'ai vraiment pas compris. Bon, bonus de série complétée, la quantité de réthanium que tu gagnes a augmenté de 5%. J'ai pas trop compris ce que j'ai fait. Ok, mais je pense que échanger les cartes. Ok, c'est si j'en ai assez. Je peux appuyer. Tout simplement pour échanger. Je sais pas. Ok, doublon, j'en ai deux. Il est marqué en bas à droite. Ok, en bas à gauche, je viens de comprendre. Doublon 2, ok, parfait. Donc si j'en ai 5, je peux prendre une carte comme ça au lieu de la trouver. Ok, parfait. Je viens de comprendre, c'est parfait dans ma vie. Ok, donc Darla Gratch, tout simplement, ce que je voulais voir, c'est la journaliste. C'est pas exactement la même personne que je pensais. Elle a complètement changé, sérieux. Avant, elle était verte, mauve, dégueulasse, bleue. Elle était pas vraiment jolie. Et là, elle est jolie, Darla Gratch. Bon, ok, on va se concentrer un petit peu sur le reste de qu'est-ce qui se passe à Phare, hein, puisque c'est bien beau de voir Darla Gratch en HD, mais c'est pas non plus des raisons de rester stické là-dessus. Hein. Ok, donc on va continuer notre petit chemin. Je sais pas pourquoi Monsieur Jourcon est mort. Je suis un peu triste. Je dois enlever l'eau. En enlevant l'eau, le petit poisson va mourir. Et on va tuer le petit poisson. Voilà. Et là, il y a deux chemins. Mais il y a un chemin qui est barré. Donc c'est pas faire ici. Et l'autre chemin. On est obligé, en gros, c'est tout simplement de briser ceci. Et là, si je me souviens bien, il y a un petit... Il n'y a pas de petit poisson finalement dessus ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à briser peut-être? Wow. Ok, donc finalement il n'y avait rien d'autre. Donc c'était juste de briser le grillage. Il me semble que dans une des premières versions, quand c'était le cas, il fallait tout simplement aller buter le petit poisson qui était un petit peu plus loin aussi derrière. Et là on n'a pas besoin de buter le petit poisson. On est en paix. On n'a pas besoin de tuer les petits poissons. Les petits poissons sont nos amis parfois. Hein. C'est quand même bien. Oh, là il y a les petites abîmes. Les petites abîmes de merde. Et les petits abîmes de merde, j'ai envie de les buter comme ça. Voilà. Quel okay, il semblait que je prenais Monsieur Jourcon. Hop. Hop. Voilà, Monsieur Jourcon fait tout le taf. Parce que moi, j'ai pas envie de me casser la tête. Et hop, on descend dans... Oh, c'est un peu dégueulasse. On descend complètement dans les égouts. Hein. Ah, bon, il faut que je m'en aille. Allez, salut. On doit sortir des égouts aussi rapidement qu'on est rentré. Hein. Ok, hop. Hop. Et là il y a des ennemis, je m'en fous complètement. Et là ici, vous voyez qu'on peut descendre complètement plus bas. Mais là je peux pas aller par ici. C'est un peu tristement la tristesse. Mais vous allez comprendre. Ça va être l'endroit que je vais revenir sur mes pas un peu plus tard. Parce qu'il y a un truc à faire, mais que je peux pas faire tout de suite. Malheureusement. Et allez, hop, hop. Et là, ciao ciao, je m'en vais dans l'eau. Là il faut que je me dépêche pour remonter. Par la suite, hop. Et voilà. Ah bonjour les petits ennemis. Attends, est-ce que ça continue à monter? Je pense que juste c'est tombé. Allez, salut. J'ai pas envie de blaguer avec vous. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Allez, salut. Je suis un petit peu dans la merde, hein, vraiment, là, en ce moment. Je dois remonter, je dois remonter, je dois remonter, je dois remonter. C'est sérieux. J'étais rendu. Je pensais que c'était... la fin. Mais finalement non. Ok, on a compris comment évacuer. Allez, parti. Ok, je pensais pendant 2 secondes que j'allais tomber. Et là, vous les blagues, allez, salut. Je n'ai rien à foutre de vous. Hop. J'ai juste pas envie de tomber. Parce que si je tombe, bah en gros, c'est chiant. Les blagues prennent vraiment de l'espace, c'est un truc de fou. Parce qu'en gros, je pensais qu'on descendait ici. Non mais, ah, vous êtes sérieux? En plus, il y a le knockback. J'ai toujours la difficulté à dire ça. Mais en gros, il y a comme une mini... un mini truc de propulsion, si on veut. Comme ça, voilà. Je viens juste de me faire subir. Et là, il faut juste que je descende assez rapidement. Vite, 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 vite. Là, je dois remonter ici, à la surface au moins. Parfait. Ok. Voilà. C'est aussi simple que ça, je t'ai rendu vraiment vers la fin. Oui, c'était moi une, mais je me suis fait quand même tuer une fois. Donc, c'est quand même la merde. Ok, donc on va pas en fait grand chose en fait dans cet épisode. Hein.
On va juste avoir se promener dans les égouts. Et Ratchet est toujours aussi heureux de se promener dans les égouts, hein. Toujours le sourire. C'est trop bien les égouts. Reste sur tes gardes, Clank. Ok. Donc marché de Blackwater City. Qu'est-ce qui se passe de bien dans ce marché? Allons voir. Hé hey, petit, t'aurais pas des holocartes de Telt par hasard? C'est quoi un Telt? Eh bien, c'est juste l'arme la plus puissante de la galaxie, champion. Ça veut dire t'éclater la tronche. Tu vois, les types de chez Gadgetron, ils savaient que les plans étaient bien trop dangereux pour être tous stockés au même endroit. Alors ils les ont divisés et ils les ont imprimés sur une série d'holocartes. Mes associés et moi, on aimerait beaucoup récupérer toutes ces holocartes. Comme ça, on aurait les plans complets. Laissez-moi deviner, si on vous apporte les holocartes, vous nous fabriquerez l'arme. Tu as tout compris, mon très cher ami. Tiens, prends donc ce crocheteur. Ça facilitera certainement la récupération de la dite marchandise. Ok. Donc en gros, pour collecter les cartes de Telt, il va falloir utiliser le crocheteur qui est une arme, il me semble, de... Ratchet & Clank... Je sais pas, est-ce que c'était dans lui? Le crocheteur, il me semble que c'était dans Ratchet & Clank 3. Je vais peut-être me tromper, mais on va tester. Peut-être qu'il était aussi dans le premier. Ok, non, il était dans le premier. C'est pas non plus. Donc le but est d'alimenter toutes les ports à l'extérieur du verrou avec des lasers, donc faire pivoter l'anneau avec les trucs directionnels. Donc en gros, il y a différents degrés de laser. Tout simplement, là, vous voyez que je décide le premier laser et le deuxième laser, je le choisis. Donc c'est super simple le crochetage, vous l'avez voir, c'est pas hyper compliqué. Et là, il y a une carte du Telt, sûrement. Nouvelle carte disponible, on va afficher. Parce que là, c'est sûrement le Telt. Et voilà, donc une carte du Telt. Mais là, il y en a plusieurs qu'on a besoin, c'est ça, si je comprends bien. Donc, ah, ok, standard. Bravo, tu as récupéré ta première carte Telt. Pour passer de tes holocartes normales à tes cartes Telt, appuie sur les touches. Ok, maintenant pour voir les cartes. Carte Telt, il y a le Telt 1. Oh, il y a plusieurs Telt. Il y a les plusieurs Telt. Ah là, ça serait trop bien s'il y a les différents. Contrairement aux holocartes, les cartes Telt ne peuvent pas être changées. Tu n'obtiens pas de bonus que tu as complété une série. Mais si tu complètes les 3 séries Telt, tu pourrais les échanger contre un vrai Telt. Il y a beaucoup trop de Telt. Il y a beaucoup trop de t'éclater la tranche. Hein. Ok, donc je pense que c'est juste genre les 3 séries. Donc ça, c'est le premier Telt en gros. Donc c'est un lance-roquette. Voilà, cette arme fut conçue dans une pièce sombre du sous-sol de Gadgetron, le conseil galactique. Des armes beaucoup trop puissantes le déclara trop dangereuse pour le public. Il scella ses plans dans une boîte qui plaça dans une autre boîte couverte de Shatterton avant de jeter le tout à la mer. Voilà. Donc en gros, c'est ça que ça fait tout simplement le Telt. C'est cool comme arme. Ok, donc là, ici, il n'y a rien de spécial, c'est juste une boutique. Oui, mais toi, tu vas te calmer avec ton pyro-lanceur, j'ai pas envie du pyro-lanceur. Sérieusement, ils vont se calmer avec le pyro-lanceur, puisqu'ils arrêtent pas de me dire genre, ouais, ok, tu peux avoir le pyro-lanceur, mais j'ai pas envie d'avoir le pyro-lanceur, c'est une arme de merde. C'est une arme que j'aime pas. J'aime pas les cartes que j'aime pas. Même si c'est même pas une carte, c'est une arme. Mais bon, vous avez compris le principe, hein. Donc on va faire l'autre partie du niveau, je sais pas si je vais le faire au complet, je vais peut-être vous laisser entre temps. Mais comme que Ratchet vient de dire, c'est pour aller vers la course d'Overboard. Donc c'est un peu vers là que je m'en vais, hein. Parce que moi j'ai envie de faire des petites courses d'Overboard, hein. J'ai envie de m'amuser un petit peu. Ok, là je viens de faire peur des ennemis, allez salut. Et là je sais même pas en plus c'est quoi les niveaux aussi des armes. À date je pense que ça va aller jusqu'à niveau 5. Parce que je suis niveau 3, ça m'étonnerait que ça finisse à 4. Donc c'est sûrement 5. De toute façon que ça va devrait finir. Selon moi, puisque l'expérience qui monte assez lentement. Et j'ai hâte d'avoir un lance-roquette, hein, parce que là en ce moment, juste des armes. Wow! Juste des armes à petit tir. Et j'ai pas des armes super cool là, moi qui tue. Donc là vous voyez un exemple de ce que je disais, que les ennemis s'entretuent. Et ça c'est vraiment le meilleur exemple. Vu que les genres de mini-robots tuent les abîmes. Donc il veut libérer la ville des abîmes. Et en gros c'est comme ça qu'ils s'entretuent. Donc comme ça on a vraiment la paix. On peut vraiment se casser et faire ce qu'on veut. Là je sais pas pourquoi le truc elle a disparu. Ok, elle est en dessous. Complètement normal. Complètement normal. Là je vais juste briser ça. C'est parfait, merci.
Y a pas quelque chose. Oh merde, oh merde, wow, 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 vous allez vous calmer, vous, sérieux. Ok, c'est drôle parce qu'ils font un mini saut. Quand ils se font toucher, ils font comme pouf. Oup. Comme s'ils se faisaient électrocuter, c'est quand même assez rigolo. Ok. Encore plein d'abîmes, encore une fois, pour faire un changement. Ça commence à être l'habitude, hein. Ça commence à être extrêmement habitué. Et vraiment, le tambour à boum boum, je l'ai appelé comme ça, le tambour à boum boum. Mais le tambour à proton, c'est vraiment une arme très utile contre ces abîmes. Vraiment, t'as la paix, mais complètement. T'as vraiment pas besoin de te casser la tête, juste de tuer ses ennemis. En gros, ça les tue tellement facilement. Et là, j'ai plus de munitions, donc... Ah, c'est un petit peu triste. Je peux plus faire ce que je faisais et que c'était assez rigolo, donc il va falloir que je fasse d'autres choses. Comme sauter. Voilà, on va prendre une autre mesure sur con. Et là, je pense que je vais faire plusieurs grenades. Pour essayer de faire le plus de dégâts sous le plus d'ennemis possible, vu que c'est ça qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y a juste un max d'ennemis pour rien. Ok. Bon, lui il est encore gros. Il vient de se séparer. Parfait. Voilà. On vient de faire un petit peu le ménage. Et là c'est parfait comme ça. On va continuer notre chemin. Je sais pas si encore il en reste beaucoup à, très long à faire, mais je pense qu'on est quand même pas si mal. On se rapproche. Ouais. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop... Swignard. Swignard est cassé. Bonjour, Swignard était cassé. Le Swignard est allé par là-bas. Mais j'en ai aucune idée pourquoi. Lui il s'est dit, moi je suis cassé aujourd'hui. J'ai pas envie de travailler. Vraiment pas envie de travailler. Ok. Pas d'amélioration tout de suite parce que j'ai juste du rare titanium. Et là c'est encore la grosse baston comme d'habitude. Allez, on va rentrer sur le fil du combat avec le tambour à boum boum. On va avoir la paix comme ça, on va juste se mettre ici, on va se mettre loin de tout ce qui se passe. Et finalement, il va falloir peut-être qu'on soit un petit peu plus dans le fight. Tambour à boum boum. On va s'amuser un petit peu avec ma clé. On va essayer d'en toucher au moins un. La date, c'est vraiment pas le cas. Ok, là, il y a comme vraiment un avantage d'abîme. J'aimerais ça que ça soit un petit peu plus l'inverse, hein, s'il vous plaît. Parfait. Nouvelle carte encore disponible. Ok. Ah ouais, est-ce qu'il y a le tank qui est apparu nulle part ou il fait juste tourner? Je comprends pas trop. Pourquoi il tourne le tank? Mais on va essayer de le tuer le plus rapidement possible dans le tank parce que j'ai pas envie trop de m'y frotter. Tu sais, frotter un tank, c'est pas vraiment des choses à faire. Hein. Ok, il a déjà explosé assez rapidement. Nice. Ok, combustor encore une fois, on va juste essayer de tout éliminer parce que là j'ai bientôt plus de munitions. En gros le niveau difficile n'est pas si difficile que ça, c'est juste côté munitions qu'il faut bien gérer. Comme là vous pouvez voir aussi qu'il me reste pas beaucoup de munitions. Pas beaucoup de munitions que je raconte. Pas beaucoup de... Bah oui, de munitions, hein. C'est ça, je parlais de ma vie. Tout simplement, je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai un certain nombre de vies. Ok, là encore vous qui sont là, je vais lancer ça, ça va juste faire ça. Parfait. Il n'y a pas quelque chose de l'autre côté, peut-être. C'est ici. Qu'est-ce que... Ouais, je comprends pas trop. Ça sent le troll de comme t'appuies dessus, ça ferme. Je sais pas pourquoi, on va tester. Hein. Finalement, c'est pas ça. Je m'attendais à genre un troll du style, genre ouais, tu frappes et ça ferme tout. Finalement, c'est pas ça, on va monter ici. Ok, le swinger est un peu... Ouais, monsieur Zurkon s'ennuie, ça je comprends ça parfaitement. Attendez, on va remonter ici. Hop. Hop. Voilà. Et là, après, on se rend où? C'est tout? Ah, rare titanium, je l'avais même pas vu. Vraiment, j'avais vraiment pas vu le rare titanium. C'est le truc que je vois le moins. Dans le jeu, je le vois vraiment pas. Il va vraiment falloir que je porte plus attention à des petits détails comme ça, hein, parce que là vous allez faire ouais mais Madbub qui regarde pas les détails et qui est pas quelqu'un qui regarde qu'est-ce qui se passe. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est quand même assez vrai. Mais bon, je vais essayer d'y porter attention un petit peu plus. Ah ouais, ça je me suis dit, c'est quoi qui se passe? En gros on fait juste passer complètement par-dessus d'eux. Et là Monsieur Jourcon nous fait tellement spot. Et là, vous allez voir le combat de gladiateur. Pam 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 pam. Ok, je pense que c'est déjà fini. Les blagues, on peut gagner trop rapide. Pas les blagues, mais les... Ah non, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Il y a d'autres amis. Il y a d'autres... Oui, il y a d'autres amis. C'est parfait, ça. Et lui,
Lui, il veut, il rit pas. Lui, il s'amuse pas vraiment. Lui, s'il dit, ça me tente pas. Ça me tente pas de festoyer, d'avoir du plaisir et du fun. Tout ça. Donc on va aller les retrouver. Ah, mais oui, bravo, Madbub. On va se faire exploser. Hein. C'est tellement une brillante idée. Idée de champion, hein, comme on dirait. Hein. Idée de grand champion. Ouais. Ok, là, il en reste pas vraiment à tuer. On va juste essayer de les buter très rapidement. Hop. C'est triste quand même, je peux pas enchaîner. Genre la clé plus tirer. Ça, j'avoue que ça serait un petit peu trop cheaté, mais ce serait quand même assez rigolo hein, d'enchaîner les deux. En gros, tu fais ça, après tu peux tirer. Et là, lui, il a complètement tiré dans le mur. Lui, il est perdu. Il s'est perdu. Il a fait. Ouais, je sais pas pourquoi je suis dans l'ascenseur, mais je suis un petit peu perdu. Donc, ça, si je rouvre ça, mais en gros, eux, ils vont sortir, c'est ça? Ah, ben non. Troll. Ah, bonne blague. Là, ça va être où? Parfait. Ça va être par ici. Bonjour toi. T'étais pas au bon endroit au bon moment. Hein. Ton TP il s'est fait un petit peu mal. Hein. Si tu serais sur LOL, on t'aurait traité de noob et de cancer. Ça c'est sûr et certain que ça aurait été le cas. J'avoue que ça aurait été quand même assez triste. Parfait, confusion grenade. Comme ça on a la paix. Là juste me rendre jusqu'à eux. Ils sont. Ah ok voilà, mon truc a passé complètement à côté d'eux. Là normalement ça va être eux. Ouais parfait. Là le truc va complètement m'aider. Essayer d'éliminer le plus d'ennemis. En gros eux autres il faut juste pas qu'ils nous viennent au cac. Dès qu'on n'est pas au cac on est vraiment trop bien. Surtout qu'en plus avec le truc à proton c'est vraiment très facile hein. Je me casse même plus la tête juste à les repousser en plus avec ma clé. Et voilà. Ça rouvre laquelle? Ça rouvre par ici. Y'a rien de caché de spécial. Rouvre encore par ici. Ouais, voilà. Hop. Monsieur Zurko en même temps. On va essayer de tout enchaîner. Parfait. On les repousse plus loin. Truc à proton. Encore une fois, on va le tuiser. En gros, vraiment, contre ses ennemis, c'est trop facile. C'est juste trop facile de tuiser ça comme ça. Mais bon, les trucs faciles ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Hein. Complètement. Oh merde. Ça oui, bonjour toi. Je t'avais complètement pas vu. Je pensais que t'étais pas invité à la pool party, mais finalement tu l'étais et je suis un petit peu triste. Et là, je vais juste essayer de me régler ton camp en premier. Je sais pas pourquoi il fait des spins de temps en temps. J'ai l'impression que quand il fait des spins, il se fait toucher ou c'est que je lui fais assez de dégâts pour pour que j'en rappelle un autre. Merci, merci vraiment truc truc tank et grenade de merde. C'est même pas un tank et grenade, mais vous avez compris. Hein. Je les aime pas trop vraiment ces petits tanks. Même s'ils sont pas si petits que ça. Ok, donc il y a d'autres petits ennemis ici qui vont encore me tirer dessus. Mais au moins, eux ils tirent très lentement comparé aux blagues. Pourquoi je pouvais pas rentrer ici? Ok, parfait. Maintenant je peux. Au début je pouvais pas, mais maintenant je peux. C'est assez bizarre. Là il y a quelques petits trucs que j'aimerais faire avant de me rendre à la course. Il me semble qu'il y a quelque chose peut-être de caché vite fait. Donc beaucoup de munitions ici. Et ici, voilà, il y a un petit bouton. Ça je savais qu'on pouvait se rendre un petit peu plus par ici. Et juste essayer de buter les ennemis, comme ça je vais avoir la paix. Là il y a un boulon en or, voilà. Normalement je vais pouvoir le prendre, non même pas. Par avec un autre bouton. Ou attendez, je pense que je me souviens. Oui, je me souviens. Je vais pas dire des conneries. Il me semble qu'il faut que je monte sur les piliers en haut pour après sauter dans à l'intérieur pour ouvrir le bouton. C'est un truc comme ça. Mais en gros, faut que je trouve par quel pilier il va falloir que je monte. Ça, c'est un autre truc. Où c'est qu'il y a un endroit que je peux sauter à quelque... Ah ah! Exactement là-bas. Madbub, t'es trop fort. Madbub, vraiment, j'ai envie de te faire des bébés. Quand je dis ça comme ça, c'est un peu bizarre parce que c'est comme si je parlais à moi-même que j'aimerais me faire des bébés à moi-même. J'avoue que c'est un petit peu spécial de vouloir faire des bébés à soi-même. Je vous dis ça comme ça, mais moi je trouve ça assez spécial. Spécial, hein. Très spécial. Donc voilà, boulon en or. Wouh! Madbub, t'es trop fort. Félicitations, t'es un expert. T'es un expert des jeux vidéo. J'ai envie de te marier. Bon, ok, je vais me calmer un petit peu. Hein. On va aller à la course d'Overbird. J'espère juste pas la faire tout de suite. Si je la fais tout de suite, je vais quand même continuer cet épisode. Je vais pas le finir juste avant, puisque sinon vous allez tous me dire « Oh, mais t'es trop, beaucoup trop méchant. Hein. » Beaucoup trop méchant.
Mais on va faire sûrement la course d'Overbird et je vais vous laisser par la suite. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Parce que je pourrais juste faire... Je vous laisse ici, mais je vais pas le faire. Je suis gentil. Salut, je m'appelle Starlene. Tu viens pour la course ? Exactement. De l'enthousiasme, ça me plaît. Allez, va à l'intérieur. La première course commence dans 5 minutes. Ok, donc défi de Rilgar. J'ai envie de le faire dans la prochaine vidéo. Je pense que je vais faire ça quand même. Je suis un gros FDP, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, j'en ai rien à foutre. Mais on va faire la course, tout simplement, dans le prochain épisode. Mad Bob c'est un FDP. Ouais, Mad Bob c'est un grand FDP. Je pense que vous pouvez tous me le dire. Vous pouvez mettre un pouce rouge à cette vidéo, je m'en fous dans ce pas. Tu sais, le gars qui fait voir, ouais, mais t'as des pouces rouges à la place. Bon, bref, peu importe. Merci tout le monde d'avoir regardé cet épisode. On se revoit pour le prochain épisode de Ratchet & Clank. On va faire la course d'Overboard. Et j'ai hâte de voir ce que ça va être parce qu'on a fait quand même un truc de vaisseau. Je sais pas si c'était dans cet épisode ou dans l'épisode précédent. Je pense que c'est l'épisode précédent. Et là, on va faire la course d'Overboard. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé. On laisse un pouce vert, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Et on se revoit pour la prochaine. Salut tout le monde.